Martin tourne en décor naturel dans l'appartement de Jacqueline Lemoigne, détective privé. Dans la pénombre tamisée de mon bureau empoussiéré, les volutes de fumée de ma dernière cigarette parfumaient mes rideaux à l'odeur entêtante de framboise en dessinant des ombres fugaces sur les dossiers éparpillés. C'est pas bientôt fini, oui ! J'ai du cœur bouffé, moi, son saxophone ! J'ai déjà sous de la journée, bordel ! J'écoutais la symphonie nocturne de la ville, prête à plonger dans les abysses d'une nouvelle aventure. Que j'en fais ton saxon, moi! Je pétais déjà trop vite, mais je n'aurais plus! Avec vous deux! Eh oh! Tu m'entends que je te cause? La moitié de mon bureau était occupée par des factures à mon nom, Jacqueline Lemoigne. L'autre moitié croulait sous les classeurs qui s'entassaient en tas sous les tasses. Je cherchais depuis une heure celui de vieux Bob. Son bras fer, si vous voulez mon avis. La dernière fois, c'était l'hôpital avec mon chien! Au prix du loyer, c'est pas normal du tout! J'ai mon plan ma Josette! Ah, t'as beau être sûr que la Josette va être mise au courant de ce qui se passe entre les meubles! Eh, ça va chier du reste! Je vais en parler, moi, à la prochaine réunion de copro! C'était l'originalité de ma méthode. Ne rien résoudre et attendre que les dossiers de ses affaires s'entremêlent, tels les fils d'une toile d'araignée tendue sur un jeu de Cluedo trop longtemps resté en place. D'ici peu, il me suffirait de résoudre une seule de ses enquêtes et les autres suivraient, inéluctablement. Le grand banditisme de Saint-Julien-Molin-Molette allait bientôt tomber. Coupé ! Mais c'était parfait, Jacqueline ! Oh, mais quel talent ! Ça n'a rien à voir avec le talent, mon petit ! L'impulsion créatrice me vient quand je tourne dans des vrais décors. J'ai bien fait d'insister auprès de la productrice pour faire ainsi cette saison. J'en avais assez des petits studios. Cela me rappelle quand je tournais avec l'immense Godiard. Ah, à ce temps-là, on n'était pas là pour amuser la galerie. Je peux vous dire qu'avec lui, ça filait droit. Mais c'était pas pour rien, et c'est avec ses encouragements que j'ai obtenu la palme de la plus grande actrice mondiale en 1955 et 1958, rien que ça. On sera fini par payer, comme d'habitude. L'inspiration me vient, j'entends un petit air qui fait comme ça, assistant, passe-moi le saxo, ça va être tout beau. Le voici, Madame Lemoigne. Bon, y a quoi ce soir à la télé? Des ombres fugaces sur les dossiers éparpillés. Oh, encore elle et son saxo à la con! Josette! Josette! Ah, nom de merde!